Bonjour, c'est Grifox. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette vidéo que je rêvais de vous faire depuis si longtemps. L'achat de maison pour mes persos, pour ma team. Ça faisait extrêmement longtemps que je jouais en multi-compte à 20 comptes sans utiliser de maison pour gérer mes persos, ma team. Et là, je me suis dit, allez, le moment est venu. Maison magnifique, une gigantesque maison, comme vous le voyez, à 100 millions de kamas. Qui se trouve en moins 29, moins 55, donc extrêmement bien placé pour ce qui m'intéresse, entre le ZAP, la banque, l'atelier forge mage, l'atelier des mineurs et l'hôtel de vente des ressources. Vraiment, c'est les zones dans lesquelles moi je me déplace beaucoup. Et je voulais absolument avoir une maison dans ces coins-là. Alors là, vous voyez, je visite, je vois les petits coffres, je suis comme un fou. A noter qu'avant la fusion, quand j'étais sur Julith, j'ai hésité pendant presque un an à acheter la gigantesque maison qui était à vendre à l'atelier des forges mages, et qui était à 200, 250 millions de kamas. Voilà, je m'étais dit, moi, dans ma maison, je mettrais principalement des runes, des stocks de runes dans les coffres, et ce serait intéressant à l'atelier de FM. Mais celle-ci est beaucoup moins chère, et tout aussi intéressante dans son placement, voilà, comme je vous le disais, parce qu'elle est au barycentre, en fait, des maps sur lesquelles bah, je me déplace le plus, et j'interagis le plus dans le jeu. Donc vraiment, un immense plaisir de pouvoir me prendre ça, et donc ça va sur mon Kra, comme vous le voyez, le Kra qui va devenir mon nouveau personnage principal. Comme vous le savez, pendant longtemps, c'est mon Yop qui a été mon personnage principal. Et bah, finalement, c'est le Kra qui va l'être dans la nouvelle team. Et sur le Yop quand même, par nostalgie, là j'ai trouvé une grande maison à 24,5 millions, ce qui est vraiment très peu cher par rapport aux autres prix. Et je me suis dit, allez le Yop, pour les loyaux services qu'il m'a rendu, on va quand même lui prendre une petite maison. Petite maison également très bien placée à l'atelier des mineurs. Hein, comme vous le devinez, c'est pas un hasard, moi j'utilise beaucoup le métier mineur. Et voilà, c'est très bon marché par rapport au reste, elle est bien placée, et ça me servira peut-être de façon annexe en maison de guilde.